Pourquoi vous êtes parti d'Algérie ? Il n'y a pas de situation en Algérie. Il n'y a rien en Algérie. Et ici non plus, il n'y a pas de situation apparemment. Non, il y a situation pour mon fils. Et la situation, les biens, l'étude ici, c'est très bien. Et après, quand on a les papiers, il y a la situation ici, non ? Ouais. Quand il y aura les papiers, on a la situation ici. Là, je suis un peu partout. Je suis berger. J'étais berger avant avec le tata de mon fils. Après, elle m'a dégagé. Elle m'a dit, ramène tes affaires et tu dors. Vous dormez dans la rue aussi ? Je dors, non, je suis un peu partout. Je suis pas dans la rue. Un peu partout, avec mes copines, avec mes amis, avec... Parce que j'ai pas de famille, je suis toute seule ici. Sauf le tata de mon fils. Et vous mangez tous les jours à votre faim ? Tous les jours, vous mangez ? Sauf mon fils, qu'il mange. Mon fils, moi, je mange. Votre fils, il mange, mais vous, pas toujours. Et vous faites la manche ? Non, jamais. Je veux pas... Je sais pas mes droits. Vous recevez pas... Il y a des droits ici. Je ne sais pas les droits. Ah, vous connaissez sauf, pas. Sauf que mon fils, il est à l'école. Je ramène mon fils à l'école. Sauf ça. Vous touchez pas d'argent de l'État ? Non, je ne touchais rien. Vous n'êtes pas allé voir une assistante sociale ? Non, non. Là, c'est fatigant. Là, je crois que c'est fatigant.